Bonjour et bienvenue dans l'entrée du cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play Starcraft 1. Dans le dernier épisode, on a nettoyé la nuée de Zaz, Zaz qui a été assassiné par des Protoss. Et aujourd'hui, on va peut-être avoir l'occasion de se venger. Œil pour œil. Wesh principal est planète Char. Toute la campagne se passe sur Char quasiment. Entendez-moi, car je suis entier de nouveau. Les rusés Protoss ont osé attaquer ce qui est immortel. Ils sont différents de ceux auxquels nous avons fait. Ok, donc nouvel élément d'histoire, il y a plusieurs types de Protoss. Et c'est grâce à ces énergies qu'ils ont pu me causer du... Donc il parle bien de Zaz comme une extension de lui-même. Quand Zeratul tua Zaz, son esprit toucha le mien, et tous ses secrets ont été révélés. Oh snap! J'y ai trouvé l'emplacement d'ailleurs, le monde natal des Protoss. Trouver la planète mère des Protoss. Les enfants, notre quête touche à sa fin. Nous attaquerons bientôt ailleurs. Directement. Pour l'instant, nous devrons nous assurer que cet Templier noir ne nous causera plus de tort. Donc là, il y a un autre élément important. Tu vas préparer un piège pour nos ennemis. Kerrigan sera là-bas. Ah, bien, ça c'est cool. Kerrigan, elle fera bien là-bas. Donc, plusieurs éléments importants. Là. Donc, on a bien confirmation que les Zergs fonctionnent comme un seul organisme, où le Cerebrate, l'Overmind est la tête pensante, et même les Cerebrates ne sont que des relais de l'Overmind et ne sont pas indépendants. Donc quand Zaz est mort, c'est un membre au sens un bras, une jambe de la nuée qui est tombée, qui a dû être coupée, etc. Mais c'est quand même une partie du même organisme, donc Zeratul, le Templier Noir, est entré en contact psionique avec Overmind directement. Et là, on commence à se poser des questions sur Kerrigan. Où est-ce qu'elle se place là-dedans, vu qu'elle est Terran? Est-ce qu'elle est vraiment aussi entièrement partie de cet organisme Zerg ou pas? On verra bien. Et deuxième chose, on apprend... Non, trois choses, en fait. Donc deuxième chose, on apprend qu'il y a plusieurs types de Templiers, qu'il y a des Templiers noirs, qui ont des énergies plus proches des Zergs. Je pense qu'on aura plus d'explications là-dessus un peu plus tard. Et enfin, troisième point super important, on comprend enfin pourquoi les Zergs sont là. Ils sont là pour buter les Protoss. S'ils sont allés chez les Terran, c'est pas pour attaquer les Terran, c'est pour choper les Protoss. Et là, ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont la position de notre petit monde Protoss. Alors, vous pouvez déplacer vos forces terrestres entre les colonies en utilisant des canaux de Nidus. Le canal de Nidus, qui est l'ancêtre du ver de Nidus, on en parlera, c'est... C'est beaucoup moins flexible que ça l'est dans StarCraft 2. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Juste une couveuse. C'est quoi ça? Ah oui, le but c'est d'empêcher les Templiers Noirs de se barrer. Donc, il va falloir qu'on s'assure qu'on ait bien des défenses partout. Ok. On a une couveuse par là aussi? Ouais. Donc le système est simple, c'est du... c'est un tunnel entrée-sortie simple, on envoie des unités d'un côté et ressortent de l'autre. Point. Ok, toi tu vas par là. Qu'est-ce qu'on a? On a récupéré des drones. Vous. Alors on va envoyer Kerrigan là par exemple. Les ultralisques, on peut les envoyer là-bas. Il y a deux trucs super importants, qu'on ait toujours des seigneurs pour détecter les Templiers Noirs, puisque les Templiers Noirs sont invisibles. Et qu'on ait des unités pour les empêcher de passer. Alors, ça commence à être un peu juste là. On va envoyer les ultralisques, ça va aider. Manque de minerais. Plus de minéraux. Ils arrivent les minéraux. 6 airing, c'est pas beaucoup pour stopper les Protoss. Là, ça devrait tenir un moment. 4 Hydra, ça va pas tenir très longtemps non plus. Il nous faut rapidement de nouvelles unités. Hein. Allez, grouille-toi, toi! On n'a pas trop besoin de seigneur en plus.
Pour assurer le coup, il faudrait avoir deux seigneurs par endroit. Si jamais on perd le seigneur, impossible de voir les Templiers Noirs, et à ce moment-là, ils vont juste se barrer, et on a perdu. Hop, Kavidraïsk, allez. Bon. Là, ça passe. Enfin, ça passe. C'est bon pour nous, quoi. C'est pas eux qui passent. Kavidra, qui est en cours, 3 drones de plus, on peut peut-être commencer à récolter du gaz. Je suis sûr qu'on va en avoir assez vite, avoir besoin assez vite du gaz. L'objectif, c'est de détruire les bases. Donc c'est... Jusqu'à ce qu'on ait détruit toutes les bases, on doit empêcher les protoss de passer. C'est pas juste... buter tous les templiers qui vont essayer de passer et gagner. C'est pas juste un tower defense, si je puis dire. Alors, portée des hydras. On va se défendre avec des hydraïsques, ça sera plus simple. Viens, récolte un peu de gaz, toi. Vous aussi, hop. Un petit quatrième. Voilà, ça ira. Ok, bon, ça devrait aider, ça. Quelques hydras en plus. Si on pouvait avoir quelque chose comme 12 hydras par endroit, ce serait bien. Hop. Là. 9, c'est déjà bien. 3 de plus et on sera bon. 2 et 3. Bien. Ensuite, on va sécuriser là. On va sécuriser là. Et une fois que les 3 endroits seront sécurisés, on pourra commencer à attaquer. Pas avant. On prendrait trop de risques. Et on va aussi essayer le coup de mettre 2 seigneurs par endroit. Hop. Ah, plus assez de minerais. Ça va, les Ultragis qui vont tenir un bout de temps. Ah 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 ah. Ok. Bon là ça va tenir tranquille, 12 hydras ça devrait tenir. Toi, tu es un petit peu derrière, où est-ce que ça tape? C'était là, ok. Ils sont en bonne santé ces trucs, ils tankent bien. C'est un gros tank zerg, hein. Ça fait pas énormément de dégâts par tir, mais ça tape assez vite. 400 PV, c'est quand même l'unité qui a plus de PV, l'unité terrestre qui a plus de PV. Alors on va faire des drones un petit peu, on a de la ressource, donc là on a ce qu'il faut comme défense. Ici on a juste Scissoring, c'est un peu juste. On va refaire des hydras. On a pas mal de gaz, on va peut-être utiliser pour faire nos améliaux, déplacement des hydrarisques, on sait jamais ça peut servir. Vous, récoltez, il faut plus de minerais. Je pense qu'on a suffisamment de drones aux minerais. Alors, hop, 3 hydrarisques, vous allez rejoindre le groupe qui est là-bas. La 12, c'est bon. Ah, on a le seigneur à ramener aussi. Oh, 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 oh. Il est tout seul. Ça va. S'il les envoie un par un, il n'y a pas trop de soucis. 3 hydras de plus. Ici, pareil. 3 hydras, ça nous fait 225 minerais. Ok. Donc on va gentiment sécuriser les 3 points d'entrée. Et après, on va leur rouiller dessus. Je vais peut-être faire mumuse un peu avec Kerrigan en attendant. Je me demande s'ils vont essayer d'attaquer notre base ou s'ils vont se limiter à essayer de s'enfuir. Ah, ça, c'était la vitesse de déplacement. Plus 6, ça nous en fait 11. On a besoin d'encore un. Et puis les Ultras, on peut les ramener chez nous. Hop là. Et nous, il nous faut 2 chambres d'évolution. C'est une colonie aussi. Ça nous fait plus de place. Hop hop hop. Ah, on n'a pas du tout d'anti-air ici par contre. Il va falloir se grouiller de mettre plus d'hydrarisques. Allez, on est parti. Attaque 1 et
Défense 1. Kiri, est-ce que tu vois des protos dans le coin? Est-ce que tu peux faire un petit peu de dégâts toute seule? Est-ce qu'on a par... Je sais pas si on va attaquer à coup d'aérien ou à coup de d'hydragisque. Le souci, c'est qu'ils ont peut-être leur espèce de chenille lance scarabée, là, qui s'appelle le destructeur en français, qui lance des trucs à effet de zone qui pourraient bien nous emmerder. Aouh. Hop là, deux dragons au moins. Ouais, ils en ont. Ils en ont. On peut pas se permettre de rester là du coup. Ok, je pense qu'on va oublier l'assaut terrestre. Hein. On va faire des mutalisques. Ça ira très bien. Il nous faut quand même des hydras pour nous défendre. Hop et hop. Ou peut-être des ultralisques en fait. Les ultralisques qui sont assez bourrins. Ça ira peut-être avec des ultras. On va y réfléchir. Hop. Allez, les petits hydras. Ah merde, pas de seigneur. Ouh, il y a de l'aérien. Ouh, il y a de l'aérien. Reviens à toi. Espèce d'idiot d'ultralisque, tu vas pas t'enfuir devant un petit truc quand même. Ça picote. C'est surtout puissant en entière, les avions Protoss. En anti-sol. Les scouts. Les scouts, ils portent bien leur nom. C'est des éclaireurs, quoi. Allez. 3 hydras de plus. Et 7, ça fait 10. Voilà, 12. Impeccable. Maintenant, il nous faut une aiguille pour 200 minerais. Un hydraine aussi. Pour 150. Allez, 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 hop là. Hop, hop, hop. Voilà, la défense devrait être assurée pour l'instant. Donc du coup, ça, on peut bouger. On n'a plus de Zerging ailleurs. Donc on a vu des ennemis par... On va pas attaquer juste avec ça, on va pas les sacrifier pour rien. On va juste voir ce qu'il y a autour. Ok, ça on peut peut-être, si on chope le dragon. Allez, allez la défense, allez, allez, cramez la vite. Voilà, on se casse. On se casse, on se casse. Alors, attaque 2, attaque 1, on a le Nidren, on peut transformer ça en ruche. Il nous faudrait une autre source de minerais. Kiri, c'est taillé des là. Ils vont prendre cher. Et beaucoup d'unités et c'est réussi, c'est bon. Bon, on a beaucoup de gaz mais pas beaucoup de minerais. Hein. Il nous faut une deuxième base là. Donc on arrive à nettoyer un endroit. On va pas avoir le choix, il va repartir sur du mutalisque. Je sais pas, ça m'embête un petit peu de partir sur du muta. Non, si, ça nous coûterait beaucoup de gaz, c'est une bonne solution. En fait, on va arrêter le 1 d'attaque corps à corps, on va lancer l'armure 2 plutôt. On va juste améliorer les hydralisques en terrestre. Ok, ça tient bon. Ça aussi. Bon, bah, on a qu'à faire des mutalisques.
Alors, le problème, c'est que je sais pas si on peut les amener par là. Alors, je sais pas s'il y a des unités sur le passage. Évidemment, les unités aériennes ne peuvent pas rentrer dans les canaux de Nidus. Ouais, attaque 1. Ou non, grande aiguille d'abord. Allons bon. Trois méta. On va voir ce qu'il y a sur le chemin. Donc comme je disais, les canaux de Nidus sont beaucoup plus défensifs que dans StarCraft 2. Pour la simple raison que... Hop, dans StarCraft 1, on crée un canal de Nidus, et à partir de ce canal entré, on fait sortir la sortie. Sauf que la sortie doit forcément être sur du creep. Donc en faire de façon offensive, c'est très dur. Le seul moyen d'en faire de façon offensive, c'est en Zerg contre Zerg. Ou alors vraiment faut y aller et faire une couveuse chez l'autre quoi. Tiens. Là c'est bon, ça tient. Vas-y Kiri, tu vas t'amuser un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas trop d'ennemis par là, tu devrais être capable de gérer. Vas-y. Hop. Super. Discrétion absolue. C'est bien, on a du minerai ici. Hop. Ces résistances et merde. Ah, comment il me voit. Ils doivent avoir un observateur. Donc du coup, plus de muta peut-être. Bon bah Kiri, tu restes derrière du coup. Vous, on va vous bouger 2 secondes. Je suis sûr que c'est une très mauvaise idée, du coup on va envoyer d'autres troupes à la place. Et vous, on va nettoyer ce qui reste de là-bas. Il nous faut une minerai ici. Et hop, on en a eu un. Et vous à l'autre. Et parfait. Alors, des drones. Faut qu'on fasse une couveuse. On va les envoyer les drones? Ouais. MC. Couveuse. Et extracteur. Têtu, hein. Bon, jusque là ça va. Ils envoient pas trop de troupes. Vous, vous allez retourner là-bas. Pour faire des mutalisques. C'est bien, une fois qu'on récoltera ici, ça va nous aider ça. Être capable de faire un petit peu plus de troupes. Hein. Ça a l'air de suffire, 12... 12 Hydra. Dimuta, on fera pas grand chose avec Dimuta. Hein. Donc là on voit une différence assez intéressante entre... la logique des campagnes de StarCraft 1 et la logique des campagnes de StarCraft 2. En particulier avec, Wings of Liberty. On en reparlera au moment venu, mais là, on a un objectif qui est d'empêcher les Templiers de se barrer, mais c'est une condition de défaite. Le réel objectif, c'est toujours le même, c'est toujours détruire la base d'en face. L'équivalent dans StarCraft 2 serait empêcher tous les Templiers de passer. Et il y a X Templiers ou X convois de Templiers qui vont essayer de passer. Il faut tous les buter et pas en laisser un seul passer. Mais l'objectif lui-même ne serait pas de détruire la base adverse. Allez. Ce qui empêche le comportement qu'on a là, qui consiste à juste...
rester bien tranquillement chez soi, défensif, faire une grosse armée et ensuite raser tout ce qui reste. Ce qui fait que quand j'étais petit, j'étais capable de faire ces campagnes-là. Les campagnes de StarCraft 2, j'aurais été incapable de les faire en étant petit à cause de justement ce besoin d'aller vite. De réagir vite et de savoir s'adapter sous la pression. Alors ça coûte quoi? Ça coûte énormément de gaz pour les transformer ces trucs. Parlant de gaz, hop! On va se récolter un petit peu de gaz. Oh, mais on en a des seigneurs! Oh 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 oh! Oh, ça tient. Ça tient bon. Et... on avait pas fait des drones ailleurs? Ah non, on les a fait là directement, suis-je bête? En fait, on va les faire là en effet. Dégagez-vous, vous avez rien à faire là en fait. Vous êtes censé être par ici. Comment vous pouvez... Je comprends pas. Je vous comprends pas là. Arrêtez, arrêtez, ça me stresse. Allez là où je vous ai demandé. Bon, 4 gardiens, c'est pas suffisant. Il nous faut plus de gaz. 3 drones. Alors normalement, on récolte suffisamment. Là, on a saturé gaz. Ouais, ça c'est bon. Là... ça fait 6 drones au minerai. Sachant qu'il y a 6 minerais, ça serait bien de monter à 12. Là, ça va. Là, il y a des tonnes de minerais, il faudra récupérer la base aussi. Ah, ça c'était un templier noir. Pour ceux qui savent pas, le templier noir, c'est une espèce d'unité invisible, gros DPS, qui fait énormément de dégâts par coup, qui est assez peu résistante, mais son principal intérêt, c'est d'être constamment furtif. Ah, la tempête psionique! Bordel, on vient de perdre 8 hydraïsques. Ouch! Ça pique. Ok, bah vous allez rejoindre là-bas. On a quoi? 7 gardiens. On va en faire 2 de plus. Alors vous allez là-bas, combler les pertes, on remettra des hydras plus tard, mais là on n'a pas les ressources. Là le gaz on récolte, là le gaz il est vide, du coup ça réduit vachement, on gagne que 2 par 2 ici. Il nous faut ce gaz là, mais le problème c'est que... ah oh, si on peut le prendre, ok. Hop, c'est parti. On va le prendre. Allez, encore un, on sera bon. On aura nos 12 gardiens, ça aidera pas mal. Allez, 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 allez. Hop là, c'est bon. Donc vous, go. Mission, faire une couveuse. Là. Et faire un extracteur. Là. Plus de points. Donc on a nos 12 gardiens, il leur manque juste une couverture de mutalisque. Une couverture de mutalisque. Je viens d'essayer d'imaginer une couverture en peau de mutalisque. C'était pas très ragoûtant. Gobou 12, hop, muta. Ok, 2 dragons en moins. C'était pas la meilleure façon de les éliminer, mais au moins ils sont morts. Ensuite, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut casser là? Alors cette défense là. Attention, il y a du monde. Eh merde. On vient de perdre un gardien. Ouh, un ups. Qui détecte nos unités invisibles.
C'est marrant, c'est chez les Protoss, l'observeur est lui-même invisible. Donc c'est un invisible qui détecte les invisibles. Ce qui marche assez bien, comme vous pouvez l'imaginer. Ah, ça, ça lui coûte cher tout ça. Ça va calmer un petit peu. Donc, on a perdu un gardien et il nous faut plus de métallics. Et là, on peut récolter du gaz, yes! Non, en fait, on peut. 4, ça suffira. Hop, voilà, vous allez récolter du minerai. Attaque 3, pas assez de gaz, allez. Merde! Merde, mutaïs, go, j'avais pas prévu ça. Ah, ils sont trop grands les mutas. Foncez. Ah, mais il y en a combien, bordel. Et de 1. Vache. On est en train de perdre des tonnes de troupes pour rien, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Et qu'est-ce que vous êtes allé? Non. Stop. Ils ont réussi à faire passer des trucs ou pas? Je crois pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer des mutalisques. Ok, ça va pas. On a quasiment plus rien pour défendre là-bas. Go. Alors, les gardiens, on en a 10. Ça suffira pour l'instant. Vous allez retourner attaquer là-bas. Il faut qu'on pète cette base si on veut un petit peu plus de liberté. Voilà. Ok, là, le trou est comblé. Plus de mutas. Mais non, on n'a pas besoin de seigneur, si. D'accord. Bien, avec la disparition de cette base, ça va être un petit peu plus facile. Bordel. Mais bougez, bande de... Crétin. Je n'ai pas d'autre terme. Les mutalisques qui sont dans une... plein milieu d'une tempête psionique et qui bougent pas un poil. Ah, Zeratul. Mais ce n'est pas parce que nous attaquons de l'ombre que nous n'avons pas le courage de combattre en pleine. Arrêtez avec les apostrophes, vous êtes planté, vous avez mis des B partout, c'est très moche. Vous me semblez trop sûr de vous. Je ne suis pas un cérébrate sans protection que l'on attaque à la faveur des ténèbres. Je suis la reine de pique et mon regard suffirait à vous réduire en cendres. Vous et votre vrai, cheville. Un petit peu prétentieuse, la cocotte, là. Donc là, encore une fois, on voit une différence de traduction entre StarCraft 1 et StarCraft 2. Dans StarCraft 1, en version française, c'est la reine de pique. Alors qu'en anglais, c'est Queen of Blades, et dans StarCraft 2, ça a été traduit de façon plus exacte par la reine des lames. Donc normalement, on a envoyé des drones là, pour récolter, ici. Niveau mutalisque, on en est où? Dégagez-vous. Prenez de la place pour rien. Donc, 12 gardiens, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme couverture mutalisque? 8 mutas, c'est tout? Pas assez, ça. Non. 9 mutas, c'est toujours pas assez. C'est à 12 mutas. Est-ce qu'on est en train de faire des upgrades? Oui, donc ça c'est bon. On va refaire des mutas. On va faire la vitesse des seigneurs parce que j'en ai ras-le-bol. Et il va falloir qu'on refoute des défenses là. Bon, première base nettoyée. On fait des progrès. Cette mission est un peu plus longue que les précédentes. Rêve. Voilà. Où est-ce que j'ai fait des métalisques?
Là. J'en ai fait ailleurs, non? Où est-ce que j'ai pu en faire? Là. Non, non, pas là, non, pas là, non, pas là, bon bah. Je sais pas, il me semblait en avoir fait d'autres. Tant pis, donc des hydras, on a dit, pour se défendre. Le problème des hydraïsques, c'est qu'ils sont. Ils prennent vachement cher face aux tempêtes psioniques. Comme vous avez pu le voir, ça fait très très mal. Plop. Plop. Donc on a le bleu foncé et le bleu clair, je sais pas qui est quoi. Je crois que c'est le bleu foncé qui envoie les templiers noirs. Ah, les storms, il est où? Il est où, Templier, qui a envoyé les tempêtes? Parce que là, on a pris super cher, mais j'ai pas vu d'où il venait. Bon, des hydraïsques là. Où est-ce que... Ah, bah oui, on a bien refait des mutaïsques, j'avais raison. On va les envoyer, on en aura sûrement besoin. Hop, hop, les hydras là-bas. Amélioration, armure. Alors. D'accord, d'accord, j'ai compris, je vais faire plein de seigneurs, tu vas être content, regarde, en voilà 6, en voilà 9, en voilà 12, et en voilà 15, c'est bon, ça va? T'es content, t'as eu ta dose de seigneurs? Ah, vous avez vu le templier là? C'était pas un templier noir, lui, c'était un haut templier. C'est eux qui balancent les tempêtes. Choper les transports. Yes. Impeccable. Essayez de rester groupés dans vos tirs. Ce sera un peu plus efficace. Il nous faudrait des seigneurs avec. Pour qu'ils fassent détecteur et qu'ils nous permettent d'éliminer leurs trucs invisibles. Sinon, ça c'est en cours. Qu'est-ce qu'on a à faire? Plus de mutas. Donc, quand on a fait des seigneurs, on peut en faire des mutas. On peut faire plein de mutaïsques. Allez! Vous allez sentir ma colère. Maintenant, vous allez sentir la fureur de la reine de Pique! Quoi? On a gagné? Ah bon. Fallait peut-être juste détruire les Nexus Protoss. Bah voilà, on a réussi. Encore une victoire de cafard. On a empêché les Templiers Noirs de s'enfuir. Parfait, parfait. On progresse, on progresse. Prochaine mission, je crois qu'on va retourner à Lovermind. Ça va être cool! Bon, c'était le Cafard Critique pour un petit peu de Let's Play StarCraft 1. J'espère que cet épisode vous a plu. On arrive sur la fin de la campagne Zerg. On fait des progrès, on fait des progrès. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur gameplay, histoire, stratégie, ce que vous voulez. Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.